Bonjour à tous, aujourd'hui, review du viseur point rouge SRS de Aimu. Il s'agit d'une reproduction cheap du viseur SRS de Trigicon. L'original coûte 1200$, on trouve cette reproduction pour environ 100$ chez notre partenaire Airsoft Peak. L'optique est bien emballée, livrée avec une pile, une chiffonnette, mais sans notice. L'optique est de belle facture, sans marquage, avec des molettes pour régler la position du point rouge et son intensité. Elle peut se monter sur un rail Picatinny en quelques secondes. Comme l'original, cette optique dispose de capteurs solaires, lui permettant de fonctionner effectivement sans pile. Attention toutefois si vous utilisez l'optique sans batterie, au moindre nuage, il faut rallumer le point rouge, l'optique n'ayant pas de capacité interne autre que la batterie. Concernant la précision du point, celui-ci est effectivement projeté à l'infini et pointe bien vers une cible de façon stable. Cette optique semble très bonne et pourtant je ne peux pas la conseiller, elle a un énorme défaut de déformation de l'image. Explication. Si on regarde une cible avec un œil, il y a un rayon de lumière entre la cible et l'œil. Si on ajoute une optique entre les deux, en fonction de l'optique, le rayon peut rester droit ou subir une déformation. Ce qui n'est pas forcément grave puisqu'on peut ajuster le point rouge de l'optique pour compenser la déformation. Le problème, c'est que le SRS est un viseur point rouge et un point rouge s'utilise avec les deux yeux ouverts. Du coup, on a deux rayons de lumière qui ne pointent pas au même endroit. Si on utilise cette optique avec les deux yeux ouverts, on a un effet de dédoublement de vision comme si on louchait. Et rien ne permet de corriger ça. On a donc un effet de déformation de l'image très prononcé, effet qu'on n'a pas avec d'autres viseurs point rouge. Je déconseille donc vivement la reproduction du SRS faite par Aimu. Je sais qu'il existe d'autres fabricants qui proposent cette même optique, je ne sais pas si elles ont le même défaut, donc faites attention aux fournisseurs. Bye !